Bienvenue sur ma chaîne, c'est Cricri 0.2. Soyez confortablement assis, c'est parti. Alors, je vais d'abord vous présenter ma chaîne. Elle sera plus beaucoup concentrée sur des tests de jeux vidéo. Mais vous allez dire, ouais, encore un youtubeur qui va tester des jeux genre Call of Duty, FIFA ou Minecraft. Non, loin de là. Je vais plutôt me concentrer sur des jeux d'horreur et à l'avenir, si ma chaîne marche, des let's play. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Slender Shadow, qui regroupe une série d'extensions après le succès du premier Slender. Alors j'ai, comme beaucoup de gens, testé le premier, qui était vachement innovant et très flippant. Mais je n'ai jamais testé les autres. Donc voici la collection. Alors nous allons commencer par le premier, Sanatorium. Je sais que beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait, mais... À la base, je devais vous faire Flash Frozen, mais en le téléchargeant, le jeu a planté. Mats. Donc du coup, bah, je me retrouve à faire du Slender. Alors, je vais quand même vous expliquer un peu le principe. Nous devons trouver 8 pages tout en évitant cette grande créature que le Slender. Alors, qui est-ce? C'est un monstre tiré d'une creepypasta, du même nom. C'est un géant de plusieurs mètres sans visage qui a la fâcheuse manie d'enlever les enfants. Il est toujours habillé en costard cravate. Alors, il y a eu plein d'histoires au sujet de ce grand personnage vraiment terrifiant. Comme justement des histoires, des jeux, même un film. Il me semble même qu'il y a eu une BD. Il me semble, hein, c'est pas sûr. Et donc les creepypasta sont un nombre incalculable. Il y a eu Jeff the Killer, Lucine Jake. Il y a aussi des jeux vidéo qui ont là, eu leur propre creepypasta. Du genre Pokémon, Sonic.exe, ou même l'excellent Ben Donid, qui est inspiré d'une cartouche hantée de Majora Mask. Et ce qui est bluffant dans cette creepypasta, c'est que l'auteur a posté des vidéos qui décrivent vraiment les mêmes bugs comme c'est dit dans l'histoire, ce qui rend l'immersion vraiment totale. Bien, ça c'était les creepypasta. Maintenant Slender. Alors il y a eu plusieurs versions de ce jeu, après la forêt, là nous sommes dans un asile abandonné, il y a aussi un hôpital, oh, la musique change, c'est mauvais signe, il y a une prison, et un labyrinthe, etc. Ils ont vraiment fait plein de variantes, même une spéciale Noël, qui je vous la conseille pour bien rigoler un bon coup, ce n'est plus Slender, mais le Père Noël qui nous poursuit, pour une raison totalement inconnue d'ailleurs. Oh, oh merde, 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 il est derrière, casse-toi. Alors sur ma chaîne, comme je vous ai dit, je vais présenter divers jeux d'horreur, ou même des let's play sur d'autres, suivant le nombre d'abonnés. Et à l'avenir, si mes vidéos vous plaisent, je tenterai des facecam. Bien sûr, si ça vous plaît, hein, j'ai dit. Bon, alors là, par contre, on est en cul de sac, j'ai l'impression qu'il pète derrière nous. Ah non, ça va. Et j'aime pas du tout les battements de cœur qui hop, c'est malsain, mais je suis sûr qu'il est derrière en plus. Ah oui, c'est confirmé, il est derrière. Et donc vous êtes dit pour la face cam. Et si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas, hein, je suis disponible. Nous sommes déjà à 4 pages mes amis, c'est fantastique. Derrière? Non, pas derrière. Et bah, vous savez quoi? C'est tant mieux! Alors, pour cette première vidéo, je vais essayer de ne pas en faire une trop longue. Parce que j'ai déjà vu ça vous gave. Hein. Mais comme je vous ai dit, si vous avez des suggestions, genre si vous voulez que je parle un peu moins ou un peu plus. Des montages, etc. Il n'y a pas de souci, vous pouvez demander. Et si vous avez des critiques négatives ou positives, je les prends. Donc, voilà. Alors j'ai découvert Slender grâce à un de mes youtubeurs préférés qui s'appelle B2F. Qui est, je vous conseille d'y aller, il est vraiment excellent. Très drôle. Bon, où es-tu Slender?
Ah oui, on va éviter de faire du surplace, ça. J'ai sursauté un truc de malade. Bon, il nous a eu. Bon, 4 pages, c'est la moitié, c'est déjà bien. Oui, donc, merci d'avoir regardé cette première vidéo, ça m'encourage beaucoup. Et donc, n'hésitez pas à proposer des idées, je suis preneur surtout. Voilà, à bientôt.